suis un être à la recherche, non pas de la vérité. 1985, partenaire particulier nous propose partenaire particulier. Bah, c'est quoi le titre de la chanson alors? Partenaire particulier. Bah, c'est quoi le nom du groupe alors? Partenaire particulier. Oh bon, ok. Quand tu vois le niveau de synthétiseur de partenaire particulier, tu te demandes. Tu te demandes? Mais c'est quoi le nom du groupe? Partenaire particulier. Quand tu vois le niveau de synthé des mecs, tu te demandes. Mais c'est quoi le titre de la chanson? Partenaire particulier. Ok. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité. Alors tu vois tout de suite le groupe. Ils abandonnent la recherche de la vérité. C'est l'anti-Descartes par excellence. On n'est plus dans le discours de la méthode. On ne cherche pas de vérité indubitable. On s'en tape. On veut une aventure qui sorte un peu de la banalité. C'est quoi une aventure qui sorte un peu de la banalité? Cache-cache? Ou peut-être saute-mouton? Bonne petite séance de ça va, ça vient comme papa dans maman. Et là, tu sens le début de la révolte. J'en ai assez de ce carcan qui m'enferme dans toutes ces règles. Ils me disent de rester dans la norme et on finit par s'y ennuyer. C'est vrai qu'on se fait un peu chier quand même dans la norme. Non, on se fait super chier dans la norme. Et en 85, quand tu cherches une partenaire particulière, qu'est-ce que tu fais? Tu publies des petites annonces. Le côté pratico-pratique de la petite annonce te rappelle que, avant d'être un être pensant, tu es un être sensible. Tu te rattaches finalement à ton insu, à la philosophie stoïcienne. Ou partenaire particulier, c'est le Marc Aurèle de la petite annonce. Partenaire particulier cherche partenaire particulière. Débloquer, tu vois tout de suite le sens de la métaphore, le sens du déblocage, pas trop timide, genre coquine, et une bonne dose de savoir-faire. T'as foutu en l'air le discours de la méthode de Descartes et tu t'es un peu plus concentré sur le Kama Sutra. L'aventura. C'est la vie que je mène avec toi. L'aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Mais une fois que j'ai passé une petite annonce dans le journal pour partir à l'aventure. Le sommet de la petite annonce dans la chanson française indubitablement renvoie un grand texte du poète Oshkorn. Je cite « Je suis venu à vélo à notre rendez-vous, j'avais le cœur abîmé sur le porte-bagage. » Imagine le porte-bagage. « Pour faire l'intéressant, j'ai fait un dérapage et mes sangles aussi longs se sont pris dans les roues. Je me suis ramassé à notre rendez-vous. » Post-scriptum. Si tu as le niveau de synthé partenaire particulier, dans ta vie, c'est pas gagné. Alors arrête de faire le kéké, abonne-toi à notre chaîne. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Bonjour chez toi.
Je suis venu à vélo à notre rendez-vous. J'avais le cœur abîmé sur le porte-bagages. Pour faire l'intéressant, j'ai fait un dérapage. Et mes sanglots si longs se sont pris dans les roues. Je me suis ramassé à notre rendez-vous.